Un city-stade aussi appelé terrain multisport est en construction à Robert-Espagne dans la Meuse. Cette structure se situe juste à côté du terrain de tennis et de pétanque. Il sera ouvert à tous et permet pour le maire d'attirer la jeunesse et de permettre aux personnes de tout âge et extérieures au village de venir pratiquer une activité sportive, principalement le foot, le basket ou encore le hand. On écoute tout de suite le maire. Eh ben, il y avait un réel besoin parce qu'il y a déjà une aire de jeu pour les tout-petits sur la place communale, la place de Verdun. Et là, sur les adolescents, il y avait une véritable demande au niveau des adolescents. On a déjà donc le terrain de sport, on a mis dans le contexte sportif. Il y a déjà le terrain de foot, il y a déjà le terrain de tennis qui avait été construit par mon prédécesseur. Et puis on a mis au début de 2010 un terrain de pétanque en place aussi, juste à côté. Voilà. Qui reste à charge 20% au niveau de la commune, à peu près une vingtaine de mille euros. Hein, sachant que vous savez, la TVA, on la récupérera. Donc c'est une structure qui ne va pas nous coûter tellement cher, et puis finalement pour le bien-être que ça va être. Donc ça va générer aussi pour les enfants des écoles. Hein, les jours qui voudront venir, bon, ils pourront avoir accès à cette structure. Ça profitera aussi au centre aéré, parce qu'on fait un centre aéré tous les ans. Il y a une année ou deux avec le Covid, on n'a pas pu faire, mais on a une trentaine d'enfants au niveau du centre aéré de Robert-Espagne, en étant en partenariat avec la commune de Trémont. Et puis aussi, on a une association, la PAH 54, et qui occupe des locaux à Robert-Espagne privés. Et donc avec des moniteurs, ils s'occupent des enfants en difficulté. Voilà.